la firme patio. Salpagate, cosito y c'est un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre cette émission qui commence par cette chanson de Kabusé Boulembi dédiée à l'homme d'affaires congolais Alita Tchamala. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 13 septembre 2020. Mais d'abord, le sommaire. Premier concert de JB Mpiana après les déconfinements. C'est ce dimanche 13 septembre au village de Chintemba avec son groupe le Wenge BCBG au grand complet. Fali Poupa Kinshasa, les chanteurs signent son retour par une production béton. C'est dimanche au Shark Club à partir des 16h. La première dame de la République, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, visite l'IFASIC. C'était à l'occasion des 20 ans de télévision de la journaliste Mamie Ilela. Alors, beaucoup d'invités en ce dimanche 13 septembre, comme je le dis. Mais nous commençons d'abord par cet hommage. Cet hommage rendu à Rajakula, Mbutamutu Rajakula, le patron du groupe Stars in Japan, qui est décédé le 18 août à Nairobi. Et c'est hier, samedi 11 septembre, qu'il a été conduit, samedi 12 septembre, qu'il a été conduit en sa dernière demeure. C'était en présence de ses nombreux fanatiques venus lui rendre un dernier hommage dans ce reportage de Dieudonné Yangumba. Décédé à Nairobi en date du 18 août, l'artiste musicien Mbutamutu Rajakula, l'homme aux 6600 vases, patron du groupe Stars in Japan, a finalement été inhumé hier à Kinshasa. C'était au nécropole entre terre et ciel en présence de ses nombreux fanatiques. La levée du corps a eu lieu à la morgue de la clinique kinoise dans ce reportage de Dieudonné Yangumba. Oh Ngolo, tika temi noko nyoso etato la kombo na yo. Mabolongo ya bikela mo nyoso ya mokili. Egumba mela yo, poyo ndo bongi na ngo. Basantu nyoso toyemba, aleluya, amen. Aleluya, amen. Kembone yawe, kembone yawe. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili nga ikona yepateo tabanzela nanga peli bota nanga angonga ina zongisa kembo lokumu sepa na yo. Aleluya me kembo na yo. Bonyoso salaka etondinga motema etindinga na loba lokumwe zongana yo makambo nyoso salaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumwe zongana yo. Haleluya amen haleluya haleluya toyemi haleluya. Alleluia, amen. Kimbona yawe, kimbona yawe. Yes, alokotanga na se, asanda inatete na ngai. Apisanga kombwa sika, angona yembeli. Yes, we, elika ya basantu we. Alleluia, amen. Que bon Yahweh, que bon Yahweh. Toi et moi, alleluia. Alleluia, amen. Que bon Yahweh, que bon Yahweh. Ndeko, manyo se koko mela yo. Zongi sa kembo, pelo kumu na Yahweh. Alo bakulu ba ezana go ebele
Evite na banda na wapio Aluba penini Na masu sala kaporanga Usale langa ya kukamua Usale langa ya minene Marobe mati motima Yangona yembeli yo Alleluia, oh. Alleluia, 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 Na lipanga ya pamba akoisa ngambe golia Lolenge nini na banza na kachali gulu Daniela koma mboni ngaya bakosi Lolenge nini na banza mota masumu loko langa Lelo na koma kote ya bebato Yesuwe Elika ya basantue Na yemela na ye Lo yemuranga ya sika Luya mwe Kembona yawe, kembona yawe To yembi aleluya Aleluya mwe Kembona yawe Dimanche 20 septembre prochain, Koffi Olomide a rendez-vous avec Bado, les adolescents qui ont bien accueilli cette chanson. Bien pour eux, mon pauvre voisin s'est produit à la Fikine le dimanche 20 septembre prochain à l'esplanade de la foire de Kinshasa avec Bajas, mon boxeur, qui va offrir plus de 5000 masques avec à ses côtés Dodo Fouakenda qui va également offrir des structures pour le lavage de mains. Borel chante Borel, c'est un album qui se prépare. Borel chante Borel par Monsieur Borel, un album qui s'annonce, dont la sortie est pour très bientôt. Cet album qui est mixé au niveau de Paris et arrangé par les grands arrangeurs Sek Bidams, eh bien déjà tout se prépare et très bientôt Borel sera à Kinshasa pour une conférence de presse où il va donner les grandes lignes de son album qui, je l'ai dit, est arrangé par Sek Bidams. Mais là, il est en plein tournage d'un clip avec Marc Jacob et très bientôt, il va organiser un point de presse d'abord à l'intention de nos frères de la diaspora. Ici à Kinshasa, son Nadir Patrick Laloi confirme la venue très prochaine de Borel ici à Kinshasa. Une première à Paris. Tous les Mongols se trouvant à Paris vont se retrouver le 9 octobre lors d'une grande soirée folklorique spéciale Mongo qui aura lieu à la salle Palme située à Paris à Bobigny. La salle La Palme, qui est, et c'est cette soirée, cette première de soirée folklorique Yaba Mongo, ce sera le 9 octobre à Bobigny. Animé par Lozizi Mpaka, qui est un des cofondateurs de SEDSED. C'est une initiative, bien sûr, du Bana Équateur avec Joël Botekol, Irène Bonpetit, Arlette Yetta et Gaylor Masungi. Donc, tous les Mongo qui m'élisent et qui sont à Paris, les grands patriarches Vikiris, et bien sûr, la bienvenue à ce rendez-vous de folklore des Mongo, une première qui aura lieu à Bobigny le 9 octobre, une initiative des Bana Équateur avec Joël Botté-Collé. Nous partons en Suisse pour proposer un artiste musicien, Jonas Balela. Il a un genre particulier, et il est aussi tout particulier à sa manière. Il a déjà eu des chansons que nous avons eu à proposer. Aujourd'hui, en ce dimanche 13 septembre, nous proposons Jonas Balela à travers cette chanson Bolingo Ileki. De Jonas Balela, et là-dedans vous avez vu la participation de Coco Nibuma Kanta Nibuma. Ferregola est à Paris, Jésus des Nuances annonce ce retour à Kinshasa pour une production le 10 octobre, une production totalement VIP au salon Virunga de l'hôtel Memling. Mais il est prévu également, vous savez, ces derniers temps, il fait le sportif, un match de football entre le groupe des Ferregola comme joueur. Ils vont s'affronter à l'ordre des avocats
Fouca. Ce sera le 20 septembre au terrain situé sur l'avenue de la Science. Mais en attendant la sortie de tout ce qui nous a promis, album World, Urban, mais aussi le single Zero, Ferrigo annonce déjà les couleurs de ce single Zero avec cette chanson Regarde-moi que nous dédions à un homme formidable. On l'appelle Costa Couleur, qui est le véritable Code Yamboka. Regarde-moi pour toi, Costa Couleur. Bravo. Bravo, bravo à Ferrigo, à Ferrake Musica. Tout d'abord, bravo. Bon dimanche et bravo à l'artiste et musicien le plus talentueux, le plus doué de toutes les générations confondues. Je l'ai toujours dit, c'est en connaissance de cause. Ferrigo, là, c'est un artiste hors norme. Il n'est plus extraordinaire car c'est un extraterrestre. Lui, dans le monde des humains, en ce qui concerne les chanteurs, ce n'est plus un humain, c'est un extra. Oh mon ya mami, ça high, ya performance mon ya high level. Où est ça sous bas niveau congolais? Oh t'as bimé carrément. Quand j'entends Ferrigo la chanter, il me rappelle Handel, il me rappelle Mozart, il me rappelle Pavarotti. Oh ça ma world, oh t'as le barra, oh musique urbaine, t'as saliga poto salaté. Tindo mon agi Ferrigo la vanne agi tranquille, aïe en pleine concentration. Dans la yara na plateau na zolo bas, donc ça va être trésor comme la lobara tiga loba. Na na vanne na ganaye na mon agi niveau où y a travaillé. Avec Ferrigo là c'est la perfection. Harmonie, regarde-moi, c'est un patrimoine national. C'est pour tous les Congolais, tous les artistes et musiciens. Je ne suis pas ici pour faire du triomphalisme. Tu es avec humilité, ni on se pose na roulak sa produit au Ferrigo là à vous présenter. Regarde-moi. Et pour na roumé ma Congo au-delà. En ce moment, le public français est tellement content de Ferrigo là. Et je vous dis qu'il y a des agendas au Héroïa pour comprendre. Laissez-moi quand même signaler aussi na ma fanatique à Ferrigo là. Qui est, on a déjà Pessibino, regarde-moi. Et ça, na ba plateforme et à téléchargement, plateforme à streaming. Et ça, on a déjà Bino bo souscrit à l'abonnement. On a Deezer, Ferrigo là, na Spotify, Ferrigo là. Bo s'abonner na chaîne YouTube officielle, Ferrigo la TV officielle, pour vous consommer en haut avec. Sans modération. Et puis retenez que le 20 septembre de cette année, il y aura match de loisirs, match de football entre le groupe Ferrigo, là lui-même l'artiste sera présent contre les avocats de la République démocratique du Congo. Match wana et Rosalabon, on a terrain extra clair sur de la science à Gombe. Retenez également que le 10 octobre, nous avons un concert VIP où Ferrigo là reprend à la reprise acoustique au Boyokaki et puis Nanze Mbouyo, regarde-moi. Et Rosalabon, le 10 octobre, dans le salon Virungana Hôtel, même ligne. Quant à moi, j'ai fini en merci. Disant un merci très beaucoup. Bon dimanche à Fanta Fofana, la présidente de tous les Gauloises et Gaulois, Béra de Prince des Amundaya, Dadan Wabana, Edo Mouzamba, Tanga, merci beaucoup, Kajamamba, Trésor Natasha Congolo. Tantin, on passe la parole à Marc Aouz. Marc Aouz. Il est là. Vous venez de voir l'artiste est entouré. Et comme un antilope entouré de lions dans la savane. Okay. Donc il faut avoir la force pour se déchaîner. Donc on est à Dimasso Moussousou. Félicitations mon boss Jésus de Nyons ni Kaboroni na pona au Pessi Valère de Soussouna Afrique tout entière. En tout cas, rien à dire. Nous avons habité à cité, malgré tout Genzila, na rumbe ou tigre à la gara. Toropelizara mon bonda. On a album premier soin et Zali. Harmonie déjà tout bimisi moi. Moi les papas sont soudés, maman Kalinagi, Abouagi nan Batala. Regarde-moi un coup, une flamme. Félicitations, la Jésus de Nias, mon terre, mon patron, et puis la remercier tout d'abord la première dame délimitée, Barbara Mazirel, mon témoin, les patrons Costa Couleur, les véritables codes Yamboka. Nous avons fait sa montée là, Ndiavo Melchior, Ariwara, ou dans la frontière, Arou Barrière, Azota Langaï, mon colonel, mon pépé, respect à Troyo Yebi, Yannick Kaenga, monnaie invisible, Noël Meble. Je reste Zambaba et Visa Ponda. Merci beaucoup, Marc Aouz. Il y a Alain Boïka, Namonie Lelo Kala. Merci beaucoup, merci vraiment. Nous partons à Londres. Des nouvelles de Londres, et bien là-bas, on parle de Laurence Mandoli, qui est le fils de Safro Mandoli, le très célèbre guitariste du groupe Victoria Ellison. Et bien, Laurence est pratiquement sur les pas de son père. Il chante et joue la guitare comme lui. Et là, il vient de sortir son maxi single intitulé Photo sans flash, comme le confirme son manager Francis. Oui, Laurence Mandoli, je le dis, c'est le fils de Safro. Et là, on va vous le proposer à travers cette chanson, Photo sans flash, que nous dédions à Madame Gisèle Pengo, l'épouse de Sam Pengombei. Cette chanson que vous venez de suivre a fait plaisir à l'artiste comédien Fiston Saïsé, à qui nous souhaitons de passer un très très bon dimanche. Simolo Katondine est à Kinshasa.
Maxime Olokatonde est à Kinshasa. Il nous annonce qu'il se trouve à Kinshasa pour le tournage du clip de sa chanson Bi Wela Wela. Savoir aimer, c'était la chanson qui était déjà disponible et diffusée à travers les chaînes de télévision. Mais là, le chanteur est à Kinshasa pour réaliser les clips de cette chanson Bi Wela Wela, évidemment, que nous allons découvrir ensemble à la fin de travaux de réalisation de ces clips Bi Wela Wela. Donc, bon séjour à toi à Kinshasa, à Simolo Katonde. Ce dimanche, la chanteuse Barbara Kanam, la diva, va agrémenter un showroom, une exposition vente privée qui aura lieu tout à l'heure au même hôtel de Rachel, de RH Rachel, qui organise donc un showroom tout à l'heure. Ce sera de 15h à 17h au jardin de l'hôtel Memling Hotel et c'est la diva Barbara Kanam qui va donc officiellement agrémenter ce showroom exposition privée qui aura lieu tout à l'heure au Memling Hotel. Ah oui, le Longomba. Ah oui, le Longomba, on va parler de lui, on sait de parler de lui. Dernièrement, il nous a proposé Sapeur-pompier qu'il avait dédié à Bakala Diakouba, 100% star Papa Wemba. Mais aujourd'hui, il revient en force avec cette chanson Bisous. Bisous de Ah oui, le Longomba, en ce dimanche 13 septembre, que nous dédions à toutes les femmes qui nous suivent depuis la ville de Kolwezi, Yalisanou. Nous sommes dans la province de Lualaba, plus précisément à Madame Cynthia Akez. Bisous. Bisous avec Awilo Longomba, une chanson que nous avons dédiée à Madame Cynthia Akez depuis Lualaba. Nous sommes plus précisément dans la ville de Kolwezi. Une première en RDC, il sera procédé le jeudi 17 septembre au lancement du plus grand label gospel en RDC qu'on appelle Maajabu. Ce lancement aura lieu le 17 septembre au Fleuve Congo Hotel au cours d'une très belle soirée, une soirée VIP. Mais ce lancement sera précédé d'un point de presse qui aura lieu le jeudi 17 septembre au Rotana Hotel. Invitation à la presse, bien sûr, à la presse qui, bien sûr, recevra l'invitation pour ce lancement du grand label gospel en RDC qu'on appelait Maajabu. Une initiative appréciée par l'honorable Thierry Munga, qui est l'initiateur du gospel talent Lualaba à Kolwezi Alisano. En séjour à Kinshasa, eh bien, il souhaite plein de bonnes choses à ce nouveau gospel qui vient d'être lancé, toujours pour accompagner la musique gospel. Honorable Thierry Munga, en séjour à Kinshasa, nous souhaitons un très très bon dimanche. Mais ce dimanche, ça va chauffer avec Fali Poupa, hein? Trois fois Hasley, hein? El Magnifico, ouais, les Kings, Nicolas comme béton, hein? Fali béton, Hegley. Alors je vous dis bonjour, et bonjour. Bon retour chez vous. Hein? Merci. Depuis merci. Masolo, il y a Accor Arena, tout le monde en Nicaralelo. Accor Arena, vous avez bien les Kaki. Vraiment. Donc, on a un parc au salut, on a tout basé dans la vie. Donc on est là, on est déjà sur place. Donc, donc, tu as une parité pour Sœur Mamia Zaratou, Panama Pétam, Soubogandi, tu as une parité, tu as déjà. Ok. Donc, les lots, par accord à Rennes, les gars, ils très bien, bien au moment où ils malheureusement, quand tu as un cas pour un accord à Rennes, contre les gars, il fallait tout mettre à Londres, il fallait tout mettre à la Cologne, il fallait tout mettre à la Suisse, et puis il fallait tout mettre aux États-Unis, au Canada. Bon. Covid-19, donc on n'avait pas le choix, donc tu as arrêté à l'arrivée. Après, tu as eu les lots, le 13 septembre, les. Et puis après, on a fait bah, champion PR. Ok, d'accord. Alors, Lélo, confirmé. Confirmé, ah. Lélo, les 13. Aigle, combien? Aigle. Aigle. Bah, on a un marambo de célèbre, bah, on a encore un. Ok, d'accord. Tu as mis les déplacements au Rambo. À chaque fois. À Paris, tu es dans mon King. À partir de quelle heure officielle? Donc 15h. 15h déjà, puis dans la matinée. Ok. Il y a la matinée, c'est-à-dire que tu as la main à Zali. Tu as mis les canaux. Tu as les canaux. Tu as les canaux. Tu as mis les canaux. Tu as mis les canaux. Tu as mis. Alors, on termine avec toi, cher ami. Oui, mère, mamie, en tout cas, bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Donc, 7 mois d'absence à pays. Chico, Fali Poupa avait déconfiné la musique. Le dimanche, donc, événement à Moro le dimanche, tout dans la Shark Club, à 13h et à 15h, donc, sur Chilling Kaga. Donc, okay. Nous, autant qu'on se prépare, à 18h, au coup de Banzé, on va se dissiper. Donc, tout le monde, vraiment, tout le monde, à l'aigle, là, déjà, okay. À Opimboa. Okay. Et puis, nous signalons à tout le monde, on va nous remercier les Kung, Fali Poupa, qui est mon boss. Après, c'est déjà titre en Nzé Momo, pour la signer, titre en Nzé Adjane qui pourra. Ok. Ça va déjà appartenir sous la Paris. Les dosages pour la finition. Donc, on a dédié, on a le président Dieudonné Kishiko depuis Kolwezi, le président de la Pichon Beauté. Donc, ah, là, bien que ça vient dans la papi, ma talatala, ma tous les miroirs, à la concert à l'élo.
Light Boy à citoyen du monde, monsieur le financier. PDG à Maïmona, Wadin Mamoulamba. Et puis dans Lyon, on a pissé Moutina Jacques Lomingo, Gachou Bayoukal Noble, Claudie Mali, la belle homme à Paris, Batoutou Balinabiso. Rodrigue Maté n'est pas Nobel de la joie. Tout coup à la 13h dans chaque à la 13h tout à l'heure. Ouais, ça sera mais avant goût. Sœur la champion. Sœur Mamie oui, Mais les Angas ont adopté déjà en Afrique du Sud. Dans la sous la chouette quoi. Ok. Donc Rosny Lombo, Toli Passabambongo, Michaud Tambo, Anne Poupa, Carole Bongale, la championne et puis bébé versé de longues jambes. Voilà, ouais, rendez-vous tout à l'heure, tout à l'heure, tout à partir de 15h, vers Dicap La Merveille. Mais en avant-coup, nous proposons cette chanson Poison, de Champion, dédiée à Poison Kasereka, de Papi Kalombo, mais que nous dédions à Alain Balay, qui nous suit depuis la ville de Lumbashi. Champion. Ekoinda. Ça va chauffer aujourd'hui avec le retour sur scène de Jubim Piana, Papa Chéri, après la levée de cette mesure de déconfinement par la présidente de la République, le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien Jubim Piana reprend. C'est tout à l'heure au village de Témarojinga de bonjour. Blanchard Moussaka, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Bilenga Papa Chéri, le tour au Kaboulango, en vrac. Dégâts. En vrac. Roger. Oui, maman. En vrac. En vrac avant d'arriver là, le but au bétail bon à terrain golf, le boulevard du 30 juin. C'est une première parce que terrain golf est accepté à Rabajor, le spectacle de Ranaté. Terrain golf à Bissouagou. Ouais, ouais, okay. Et puis le concert était fixé à $200 américains, concert privé. Fallait mon bateau, bah, qui on a donc craint tout, il y a Congo, il y a les autorités du pays, bah, jeune cadre, bah, banque, bah, businessman, donc les big mamans, c'était vraiment chaud. Merci, franchement, c'était un conseil inédit, il faut être Papa Chéri pour le faire. Qui dit mieux. Et aujourd'hui, ils ont concert, il y a contact, mais il y a un grand public. Après déconfinement, ça sera vraiment chaud à la demande. Il y a public, il y a Congo Babi, on était stressé. Papa Chéri, toujours a marqué, de lui vraiment tout vivre bilingue, il y a Papa Chéri en live. Et a fixé nous déjà tout à l'heure, à 18h. Première équipe nous a là. Et Papa Chéri sera dans les parages déjà. Il y a Village Chitema. À 19h, pile. Le boss monte au podium à 23h, ne venait même plus. Parce que concert aux Alatés. On va t'abarrer tard. Ça ne sert pas, ça ne sert pas. 23h, ne venait pas. Ok, donc le système à titre complet. La bonne musique, c'est un acquis, c'est lui. Il ne faut même pas se tromper d'adresse. Parce qu'un débouillot, quand il y a un studio, ce qu'il y a un spectacle au Bimi ou Sepeli. Parce qu'un artiste, c'est lui, il y a un studio. Donc, côté artistique, c'est un acquis. Oui, on a un spectacle. Et puis, détail, mon côté aux Alatés, c'est-à-dire catalogue. Il y a Yamamoto, il y a toujours. Et Kouya. Donc, Bin Adam Motopamba invite Tati Bilolo, l'intendant du chef. Il invite son éminence Maître Kazil. Il invite Eric Ouagan Job Sekirite. J.C. Moulumba. Merci à Eric Tezo. Merci à J.R. Mandé. Merci à l'honorable Alain Boïka. Merci à Maître Dorothée Madi, à mandataire à mine et carrière. Moussaka. Et puis, je n'oublie pas Dr. Marbon David. Moussaka. Mère Mami, dès le baraque. Rosa n'a pas quitté un modèle n'ignore son endroit pour l'amba foufou, foufou et bon à vaca. Pour le bon à la foufou bella, et la maman qui toco. Artiste et bazar, la musique et la maman, pour ces pella, pour s'en dire l'amba, l'angle latin, pour que tu n'as pas chéri. Ok. Le bilingue à papa chéri, pour au Kaboula, Kaboula, mais elle est là, il est monté au Kaboula. Ok. Elle est là, papa chéri, n'a yaka, il est au Kaboula bilingue. Donc, le but de mettre qu'il est d'été, l'élo te l'on lit zéro, 20 et caca. Ah, te l'on lit 20 et caca, il casse à pamba. Merci Moussaka. Odette Nzongo Yanda, mon candidat Maman en Hollande. Sans oublier Maître Guy Somouka, Dina Pof Boni Moukadi. Merci tout beaucoup. Tout à l'heure, Papa Chéri. Moussaka, tout à l'heure, Tokaboula. Tokaboula, Bilingia, Papa Chéri. Et alors là, nous partons au village Chetemba où s'est produit le week-end dernier l'artiste musicien héritier Watanabe de retour à Paris. Sa première production, c'était au village Chetemba et c'était tout simplement formidable. Des images que nous proposons pour faire plaisir à Fiston Boboli depuis Lubumbashi. Cet héritier Watanabe, ça se passe de tout commentaire. Une très belle production, applaudie par Fiston Boboli depuis Lubumbashi. Mais j'ai dit bonjour à Danny, ça va?
Ouais, ça va, ma mamie. Mmh. Je tiens vraiment à saluer l'homme le plus compliqué du monde, mon patron de cœur depuis la résidence. Mmh. Et félicitations à lui parce que production Oyozomona Awa. Mmh. Et en tout cas, il répondait qu'il n'avait pas de critères. Ok, d'accord. Et merci à la public parce qu'on avait dit à 21h juste, on débute la production. En tout cas, bah, répondait qu'il présente à 21h. Et puis l'artiste était déjà sur les podiums. En tout cas, pour Nabatou, on va jouer l'album. Le 10 octobre, votre album, Mi-Ange, Mi-Démon, sera bel et bien sur les marchés. Okay. Et tout à l'heure là, et toujours pour Tanana, go gâteau sur le latou, il va commencer à te copier Sabino. Premier clip, nous aimons beaucoup de Gouga. Aïmbi, on a dévoilé ma secrète. Nabombi vraiment, donc, Bouyoka Yango. Et puis, comme on a désolé, donc Bouyoka, désolé. Mais pour ma séance, c'est habitué à répétition. La Bengi Sabino, j'ai dit Oyo. Déjà à partir des 17h, venez voir l'homme le plus compliqué du monde, Nago Knaïm Ogimba. Bako Zalawana, la grand Kassai, mais en tout cas, Boubangate. Album Nabino Ezouya, je salue Ya Odino Mampouya depuis la Belgique, Junior Pétrole 115, Napishio Mbote, et Sikozo Landabiso, Pacifique Kabongo Mambote, Yatro, les boss Hakim Saloum, les Neymar Congolais, merci, Richard Monstre Mambote, Yatro, et puis Zenith Boulongo, Napishio Mambote, Maître Chris Cicéron, Bakumba Bofaya, merci et les beaucoup boss, bienvenue Malim depuis Kafou. L'artiste musicien, le Karmapa, est en deuil. Il était prévu qu'il puisse déjà procéder en cette période à la sortie de Mama Yemo, mais aussi de son album Predator Plus. Mais il est en deuil, il vient de perdre sa nièce. Il s'en excuse à travers cet élément de reportage qu'il a envoyé pour solliciter l'indulgence de son public. Le Karmapa en image. Chers amis, suite au décès inopiné de ma nièce Benoni, décès survenu ce 9 septembre à l'hôpital HJ Kinshasa Limité, la veille donc de la sortie officielle de mon double single Mama Emo et AVC, et étant donné que je suis l'aîné de la famille, je me vois dans l'obligation d'accompagner le mien dans le malheur. En concertation avec toute l'équipe qui m'entoure, nous avons donc décidé de reporter cet événement à une date ultérieure. Ça sera bien sûr après l'enterrement. Nous vous prions donc de nous excuser pour ce report d'Iodei, indépendamment de notre volonté. Merci pour la compréhension. La reine de Louboutin, Sarah Fiona, va très bientôt se produire avec l'artiste et musicien Brigade Sarbati. Ce sera un concert barbecue fin d'été à la salle Mosaïque, 6 rue Maximilien Robespierre. Nous sommes à Noisy-le-Sec. Ce sera donc le 11 octobre prochain. Sarah Fiona et Brigade Sarbati sur une même scène à la salle Mosaïque située sur rue Maximilien Robespierre 91 30 Noisy-le-Sec. Mais retenez que la reine de Louboutin était en studio dernièrement où elle a réalisé un acoustique qu'elle a intitulé Encre et correcteur. Et là-dedans, Sarah Fiona a eu à rendre hommage à des grands noms de notre musique, parmi lesquels des dames, et notamment membre national Tchalamwana Mukwakasanzu Kassa Mutanda, que Sarah Fiona a également immortalisé dans son acoustique que nous vous proposons de suivre. La fin de cette émission avec Sarah Fiona, la reine de Louboutin, occasion pour nous de vous rappeler ce rendez-vous du 18 septembre à Paris lors de l'inauguration du nouvel espace Djonga qui sera animé par Suzuki Uzubu. Place à la direction des infos TV pour le journal qui sera présenté par Anita Luamba. Prochain rendez-vous avec l'actualité musicale dimanche prochain, même heure, même chaîne, bon suite de programme sur la TV nationale. Au revoir. Il me bat, Dieu,